أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وطهاته الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين. Je vais faire un petit résumé de Bilal qui il est. La première chose à voir en premier, je vais te le décrire un peu sa vie et tous les manques qu'il peut avoir. En premier lieu, avant ça, Yasser Habib parle de comme quoi il rejette le récit de la Syrie. Et d'ailleurs, s'il le rejette, ça voudrait dire qu'il n'aurait pas été exilé ou exilé. Hein, parce qu'il y a ça aussi, on va discuter à la fin, parce que c'est ça qui touche la fin de sa vie. Premièrement, il était esclave de Omeya. Hein. Après, il a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant esclave de Omeya, et Omeya le frappait, etc. Il a relaté sa situation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans la version de Bostani, mais qui est fausse en vérité, parce que Abou Bakr était quelqu'un de pauvre, il était issu d'une basse condition, déjà premièrement il était un black, il était mal vu par rapport à ça, il était un couturier. C'est rien du tout à son époque, son statut financier. Il n'a pas d'argent en vérité. Et d'ailleurs, tu trouveras chez les Moukhalifines deux versions. Soit elle était riche, soit elle était pauvre. Si on étudie bien, on verra que finalement elle était pauvre. Shiri Yasser Habib conclut qu'Abou Bakr était pauvre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Abou Bakr pour le libérer. On déduit que soit quelqu'un lui a donné cet argent à Abou Bakr, il l'a envoyé pour libérer Bilal. Il l'a libéré avec l'argent. Très souvent, Abou Bakr lui reprochait le fait qu'il l'a libéré. C'est-à-dire le fait qu'il lui faisait le man, c'est-à-dire que lui rappelait toujours, regarde, je t'ai fait du bien, et après on va voir pourquoi il lui disait ça. Et après, et Bilal lui disait, si tu m'as libéré pour Allah Azzawajal, tu ne dois pas me rappeler ça, tu vois. Ça, on connaît qu'éventuellement, il le rappelait déjà du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Après Bilal, il y a tout ce que tu connais sur la dent, ça sur ça, j'ai rien à rejeter, rien à rajouter. Hein. Mais entre autres, il a fait il est monté sur la Kaaba après Radir Khum. Ça veut dire que même l'attestation, il y a même des textes qui disent qu'il a attesté que l'imam Ali il est wali Allah dans le Aden, tu vois. En tout cas, revient à la wilaya, tu vois. Et il le faisait d'une manière entière, Bilal. Vient le martyr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
il assiste à Saqifa Bani Saïda, c'est-à-dire il assiste au complot, c'est-à-dire il n'est pas présent à Saqifa, mais il assiste et considère que l'imam Ali est le successeur légitime de du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Je vais aller taper un foot, pas. À ce moment-là, Abou Bakr et Omar, qu'est-ce qu'ils font? Ils convoquent plus ou moins Bilal parce qu'ils cherchent l'appui de certaines personnes. Dakeko, c'est très important ça. Ils le convoquent et ils lui disent quoi? Ils lui disent que, en fait, en gros, d'une manière, tu dois prendre parti. Là, à ce moment-là, Bilal, qu'est-ce qu'il fait? Il ne confirme pas la wilaya de l'imam Ali, alayhi salam. Il dit quoi? Tu as trouvé ça dans le livre de Bostani. Hein. Il dit quoi? Il dit, non, moi, je ne suis pas très content parce que je me rappelle du temps béni du prophète et la justice du prophète. Donc, en vérité, il est en train de dire qu'ils font de l'injustice, mais il dit pas que l'imam Ali, c'est successeur. À ce moment-là, normalement, dans des textes connus, il est parti en Syrie, c'est-à-dire à Cham. Il a été plus ou moins dégoûté de la situation. Il est parti en Syrie, en Cham, à Cham, pardon. Quand il a été là-bas, à ce moment, quand il était là-bas, il a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit: Tu me tournes le dos, Bilal. Donc là, il est retourné à Médine. Quand il est retourné à Médine, il a vu Fatima Zahra alayhi salam. Il a fait l'aden pour Fatima Zahra alayhi salam. Fatima Zahra est tombée inconsciente. Après, c'est-à-dire qu'en premier lieu, Bostani va insister sur le fait comme quoi il aurait dénoncé, mais normalement, apparemment, c'est pas sûr. Il est parti et d'ailleurs, après, il a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, en gros, il aurait dû rester à Médine et dénoncer. Il ne l'a pas fait. Après, Bostani, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, franchement, je doute de ça. Je doute de ça sincèrement parce que je connaissais même pas qu'il a été exilé par la suite. Parce qu'il y a d'autres versions qui disent qu'il est tombé. Il est décédé à Médine. Hein. Donc là, il aurait encore. Là, à ce moment-là, il aurait protesté contre le. Il aurait protesté après l'affaire de Fatima Tazara, après qu'il a fait l'Aden, il aurait protesté contre Abou Bakr et Omar. En disant vous êtes des usurpateurs, etc. Mais attends, il y a une chose aussi que je dois te prendre en compte. Selon les versions bakrites, il était le portier d'Abou Bakr. Moi, qu'est-ce que je comprends si je me base toujours qu'il était un serviteur vertueux? Je comprends qu'en fait, de la même manière qu'il était là chez Kouar, comme Batou le définit, je suis d'accord avec lui. De sa position du moment où il aurait pu dire que c'était l'imam Ali, il ne l'a pas fait devant Abou Bakr et Omar, alors que d'autres compagnons ont dénoncé clairement. Même des compagnons qui par la suite ont trahi, comme Ibn Abbas, ont dénoncé clairement. Et ben là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait fait la pression, soi-disant, et après il aurait été obligé de partir en Syrie, au Cham, et après, deuxième exil, il a quitté de lui-même et il serait décédé là-bas. En tout cas, il faudrait vérifier dans Ahlul Bayt. Moi, je lui trouve des circonstances atténuantes par rapport au portier d'Abou Bakr, en me disant que même si à chaque fois Abou Bakr lui rappelait qu'il a été libéré par lui, que Bilal protestait, il est possible qu'il lui a fait une pression. Et étant donné qu'il n'a pas été capable même de vraiment dénoncer Saqifa, ils lui ont fait de la pression et est devenu portier d'Abou Bakr. Donc voilà. Voilà globalement ce que j'ai à dire sur Bilal. Voilà. Redonnons là et allez.